Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce numéro de Sans langue de bois. Il a espéré en vain que le président de la République soit l'ultime remède qui guérira les législatives à venir de la non-participation des partis de l'opposition. La formule n'était pas à aller chercher loin. L'article 68 de notre Constitution lui en donne les prérogatives, croit dur Victor Tocqueno. Ce n'était pas sa toute première proposition d'ailleurs. Alors que le 6 mars dernier, le président de la République lui-même s'était dit préoccupé par la tournure que prenaient les événements et avait renvoyé les députés à l'Assemblée nationale afin qu'ils s'entendent sur la formule qu'il fallait appliquer. L'ancien ministre garde des Sceaux, un de ceux-là que le président de l'Assemblée nationale est allé dans sa mission de médiation consultée, proposait un léger réaménagement du calendrier électoral. Pour lui, c'était possible de tenir la législative pour le 12 mai sans toucher à la constitution du Bénin si les difficultés rencontrées étaient évacuées. Toutes ces propositions auront été vaines. Et comme pour faire un dernier sursaut, il a associé sa signature à six autres personnalités, à une tribune qui interpelle directement la responsabilité du chef de l'État dans la situation actuelle. Elle l'invitait encore à se saisir de l'article 68 de notre Constitution. La dernière sortie du président de la République a certainement douché ses espoirs. Il me dira peut-être le contraire. Prudent Victor Tocqueno, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques, vous êtes maître de conférences, vous êtes ancien ministre de la justice garde des Sceaux. Je le disais dans cette introduction, vous êtes l'une de ces personnes qu'on a le plus entendues dans cette situation que traverse encore le Bénin, si je peux me permettre de le dire. En écoutant le président de la République à sa dernière sortie, avez-vous réellement perdu tout espoir? Non, pas tout espoir, mais en ayant perdu un peu, oui. Je pense que j'attendais évidemment du président de la République le 11 avril, alors qu'il n'était pas contraint de parler. On attendrait au mieux le président de la Sénat pour qu'il ouvre officiellement la campagne électorale. Le président de la République a éprouvé le besoin de parler. Et donc tout le monde avait espéré, moi en premier, je l'avoue, que c'était pour nous annoncer une bonne nouvelle, une décision qui permettrait des élections législatives inclusives et qui permettrait donc à tout le monde, sous réserve de quelques petits réglages, d'aller aux élections démocratiques, étant entendu que lui-même a dit qu'il n'était pas très à l'aise face à une situation pareille où, pour la première fois, ça ne se fera pas dans la même convivialité qu'avant, qu'ensuite, il n'y aura pas un débat contradictoire, étant entendu qu'il reconnaissait très explicitement, ou à tout le moins, que les deux parties sont proches de lui. Bon, voilà, donc à partir de ce moment-là, il y avait un enjeu, un véritable enjeu sur le devenir de notre démocratie. Et c'était le choix à faire face à ce devenir plutôt critique qui inquiète. Le président de la République avait la possibilité de décrisper la situation. Mais bon, malheureusement, il ne l'a pas fait. Mais comme je pars de l'idée qu'il est toujours possible d'organiser des élections le 12 mai, que malgré tout, on ne fait là que 3 jours de campagne, il est encore possible. On va espérer jusqu'au 28 avril que de nouvelles choses se présentent. Voilà, Comme quoi, par exemple, si... notamment, par exemple, une réaction vive de l'opposition qui mettrait, qui inverserait un peu les rapports de force. Parce que là, effectivement, on a le sentiment que, voilà, en face, il n'y a pas d'opposition et que, précisément parce qu'il n'y a pas d'opposition, on peut continuer dans cette entreprise que tout le monde sait, à l'évidence, préjudiciable pour notre démocratie. Donc votre espoir désormais est plus focalisé sur les forces de l'opposition, non plus sur le président de la République, parce que lui, il semble avoir dit le dernier mot dans tout ça. J'espère bien que non. Et ça, vous avez dit oui, à l'évidence, quand on a entendu ce qu'on a entendu le 11 avril, il n'y a plus beaucoup d'espoir, en tout cas venant de lui.
Pour que de nouvelles orientations viennent de lui, proviennent de lui, il faut qu'il y ait entre-temps, comme on dit, une situation nouvelle. Voilà. La situation nouvelle peut être créée par un comportement différent de l'opposition. Ou alors par l'intervention d'amis étrangers qui parleraient avec des mots justes au président de la République. Voilà, tout est possible. Vous parlez de cette opposition depuis que le président de la République a effectué cette sortie, à part quelques voix qu'on a entendues, médias interposés, aucune action, probablement, Oui, pour l'instant, visiblement sur le du terrain. 11 au 14, c'est pas encore grand-chose, ça. Est-ce qu'en observant ça, vous n'êtes pas d'une certaine manière déçu Ah non, pas du tout, de cette pas du tout, opposition? pas du tout, pas du tout, pas du tout. N'attendez pas de moi que je vous dise que je suis déçu de notre opposition. Nous avons fait de notre opposition ce que nous avons voulu. Et donc, il faut que nous assumions tous collectivement. Donc, il n'y a absolument pas de raison que je sois déçu. Par contre, je serai beaucoup plus déçu du régime en place parce qu'il est le plus fort. Parce qu'il a en sa possession quasiment le concentré du pouvoir d'État. L'exécutif, c'est le président de la République. Le contrôle constitutionnel, c'est un protégé du président de la République. L'Assemblée nationale, avec le BNP, 62 députés, par moment 36. Mais en fait, donc, il y a une concentration déjà énorme des pouvoirs entre les mains d'un camp. À partir de ce moment-là, la règle voudrait que ce soit le plus fort, qu'il soit un peu plus humble pour aller vers le plus faible. Surtout que les plus faibles sont aussi là, sont des Béninois. Ils sont là justement pour faire vivre la démocratie. Donc je ne pense pas qu'il faille reprocher quoi que ce soit en l'état actuel des choses à notre opposition. Pendant ce temps, le compte à rebours a commencé, Victor Tocpanon. La campagne électorale en vue des législatives a été lancée depuis le 12 dernier à minuit par le président de la Sénat également. Les institutions se sont mises dans cette logique-là. Vous pensez toujours qu'il pourrait y avoir un revirement et que... Oui, moi je le pense. Jusqu'à la deuxième semaine de campagne, la campagne dure 2 semaines, il ne faut pas oublier. Et nous n'en sommes qu'à 3 jours, du 12 au 14. Voilà. Donc il est toujours possible, si la raison regagnait les cœurs, la raison regagnait les esprits, que l'on puisse se rendre compte que là, on va droit dans le mur, dans l'impasse, et que c'est préjudiciable non seulement pour le système démocratique, mais également et surtout pour les individus. Je pense qu'il y a aujourd'hui quelques personnes qui sont heureuses parce qu'ils profitent du système tel qu'il se déroule. Mais il n'est pas dit que demain, il continuera d'être toujours en leur faveur. Donc il faut juste qu'ils se projettent un peu à ce qui pourrait se passer si rien n'intervenait, ce qui pourrait se passer, disons, à partir du 15 mai, par exemple. Vous Donc on ne sait jamais, voilà. parlez de raisons. Le président de la République a exposé clairement les siennes, les raisons pour lesquelles la sortie a au moins permis à ce que vous sachiez qu'il a lu votre tribune, entre autres, qu'il vous écoute, entre autres. Le président de la République a donc exposé ses raisons, les raisons pour lesquelles il ne saurait utiliser l'article 68 que vous lui recommandez, entre autres. Ce serait lui remettre entre les mains une arme puissante, très dangereuse pour le pays. Si lui l'en usait, même si d'autres personnes après lui en faisaient usage. N'a-t-il pas raison de ne pas vouloir profiter de cette disposition que vous préconisez et qui pourrait créer un précédent grave pour notre pays? En quoi cela présenterait un précédent grave? Le président de la République ne sera pas le premier à l'utiliser. Il vous a dit qu'on utilise les ordonnances dans un cadre bien précis, Oui, bien tracé par la la Constitution Constitution, elle-même, oui. et qui ne saurait dessaisir l'Assemblée nationale de son pouvoir de légiférer. Il ne saurait donner un nouvel ordre. Oui, vous me donnez l'occasion là de dire ce que je pense, vraiment du plus profond de moi-même. Je reste convaincu que sur un certain nombre de sujets, dont celui-là, le président de la République se trompe, mais de bonne foi. Il se trompe de bonne foi. Parce que ce n'est pas parce que nous, on lui suggère d'utiliser l'article 68 qu'on lui mettrait d'office une arme lourde Et destruction massive, de a-t-il dit? destruction massive entre les mains. Non. Ce n'est pas pour ça. Nous le lui proposons.
Simplement parce que la Constitution l'a prévu. Simplement parce que la Constitution l'a prévu en son article 68. C'est-à-dire que ce n'est pas prévu dans ce cadre. Mais c'est prévu alors dans quel cadre? C'est là où je dis qu'il se trompe de bonne foi. C'est prévu justement dans ces cadres-là. Toutes les fois où on a pris l'article 68, c'est pour dessaisir de façon provisoire, de façon contrôlée, provisoire et contrôlée, le judiciaire et le législatif. C'est tout. On peut compter ces cas, vous pouvez nous donner des exemples. On sait que Boni Yayi en a utilisé quand... Non, il faut remonter au président Soglo. La première fois, ça a été utilisé en 1994 par le président Soglo. C'était dans parce quel que, cas à l'époque, il devrait intégrer les exigences de la Banque mondiale dans son budget, notamment les questions d'augmentation salariale, etc. Et les syndicats s'y étaient opposés. Les syndicats ont réussi à faire entendre leur voix, les députés les ont suivis et ils ont bloqué le budget. Ils ont bloqué le budget. Donc le président de la République s'est retrouvé en 1994 sans budget. Et alors il fait quoi? Évidemment, à l'époque, les gens avaient dit qu'il pouvait faire le 12e provisoire et après. Donc le président de la République a pris l'article 68, il a pris une ordonnance pour valider son budget. Une première fois, une deuxième fois. Quand il est parti, Kérékou lui a succédé. En 2000, le président Kérékou s'est retrouvé dans la même situation. À l'époque, c'était relatif au débat sur l'augmentation du budget de l'Assemblée nationale. Parce qu'il y a une disposition qui veut que le budget de l'Assemblée nationale soit autonome. En conséquence de quoi, il est dit dans les textes que l'Assemblée nationale vote le budget de l'Assemblée nationale et il ne reste à l'exécutif qu'à l'annexer au budget général de l'État. À l'époque, c'était le président Mbédi qui était président de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale voulait construire son nouveau siège, déjà à l'époque, et il y avait les études préliminaires. Donc ils avaient gonflé leur budget, qui avait connu une augmentation de presque 100%, ce à quoi le gouvernement du président de la République, le préfet Mathieu Kérékou, s'y est opposé. À l'époque, son ministre de l'économie et des finances n'était nul, personne d'autre que Bio Tchané. Donc il décide de ne pas augmenter dans les proportions, le budget de l'Assemblée nationale dans les proportions voulues par l'Assemblée nationale. En conséquence, l'Assemblée décide de ne pas voter son budget. Donc, troisième fois, on prend le budget de la République par ordonnance. On aurait pu dire non, allons à l'article 110 qui voudrait que l'on fasse le 12e provisoire. On ne l'a pas fait. À partir du troisième président, c'est-à-dire après Soglo et Kérékou, on tombe sous le mandat, le premier mandat du président Yayi Boni. Le président Yayi Boni avait, à un moment donné, obtenu de certains partenaires, notamment M. Laous, un Libano-Sénégalais qui voulait s'installer au Bénin dans la cimenterie. Et c'est la cimenterie de... cimenterie du Bénin. Ah oui. Voilà, enfin, peut-être le nom de la cimenterie me reviendra. Mais toujours est-il que ce monsieur, parce que je connais très bien le dossier pour être à l'époque secrétaire général... Une cimenterie dans le plateau quand même. Oui, oui, oui. La Nocibé. Voilà, c'était la Nocibé, c'était la Nocibé. Puisque moi-même, j'étais à ce moment-là conseiller juridique du président de la République. Et ce qui s'est passé, c'est que le monsieur Laous, qui est le propriétaire de Nocibé, exigeait, en contrepartie de l'investissement qu'il allait faire, quelques avantages. Ce que tous les investisseurs demandent en règle générale. Et à ce moment-là, Nocibé exigeait, des retours, des exonérations qui allaient au-delà de ce qu'avait prévu le Code des investissements. Et c'est là où on découvre que le Code des investissements n'avait pas prévu dans notre pays la fourchette de plus de 100 milliards d'investissements. C'est-à-dire que quand vous investissez jusqu'à 50 milliards, vous avez des exonérations jusqu'à 30 milliards, en deçà, voilà, il y a des grilles comme ça. Et donc le monsieur, lui, il dit « Moi, je veux investir 120 milliards ». Je ne peux donc pas me satisfaire des mêmes réductions, des mêmes avantages que quelqu'un qui investit 50 milliards.
En conséquence de quoi, le président de la République, qui lui était soucieux des investissements étrangers, création d'emplois, création de richesses, etc., dit « ça me semble logique qu'on puisse accorder plus de marge à quelqu'un qui investisse en 20 milliards plutôt qu'à quelqu'un qui investit 50 milliards ». En conséquence, il fallait alors modifier le code des investissements. L'Assemblée nationale, qui organisait à l'époque une opposition, disons une cohabitation avec l'exécutif, avait décidé de ne pas voter ça. Et le président de la République dit qu'à cela ne tienne, moi, entre le blocage à l'Assemblée nationale et les investissements avec tous les avantages, je préfère prendre l'article 68 pour modifier le code des investissements à charge pour l'Assemblée de réhabiliter après comme il se doit. C'est ce qui a été fait. Donc, on a été capable de voter des budgets. On a été pas de voter, puisque l'acte de vote est un acte spécifique, est une prérogative propre à l'Assemblée nationale. Tant que ce n'est pas à l'Assemblée, on ne peut pas voter. Donc, on a adopté des budgets par ordonnance. On a modifié des lois par ordonnance, des lois pour obtenir des investissements. Et face à une situation de remise en cause fondamentale de notre démocratie, avec des risques de rupture de la paix, on me dit que c'est un pouvoir trop puissant. Et on me dit qu'on crée un précédent. Non. Je me souviens toujours d'un entretien informel que j'avais avec le président de la Cour constitutionnelle actuelle, lorsque moi j'étais garde des Sceaux et qu'on discutait justement de l'utilisation de l'article 68. Il me dit, s'il est une utilisation de l'article 68 que vous pouvez faire et que je ne veux pas contester, ce serait pour supprimer la peine de mort. C'est-à-dire qu'il était, lui, capable de demander qu'on supprime la peine de mort par ordonnance, et je ne vois pas. Quand on met tout ça en face des risques actuels, premier risque, image pour notre démocratie, le président de la République l'a reconnu. Deuxième risque, rupture de la paix. Le président de la République l'a reconnu, il a même quasiment menacé en disant « je ne laisserai pas faire ». Je me dis, sortir de là par la voie des ordonnances, franchement, ce n'est pas un pouvoir exorbitant qu'on confère au président de la République. C'est la Constitution qui lui a conféré une capacité à sortir des situations inextricables. Et nous sommes là dans une situation inextricable, à moins que nous n'ayons pas fait les mêmes évaluations des conséquences de la situation actuelle. Vous avez retracé tout ça. Quand le président de la République se retrouve, lui, il a dit qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, vous l'avez renvoyé à la députée, il semblait manifester sa bonne foi de voir ses législatives sortir de là. Les députés n'ont pas réussi à s'entendre et rejettent le tort sur la minorité parlementaire. Vous ne partagez pas cette opinion que la minorité parlementaire aurait pu fléchir certaines positions? Vous savez, ça permettra à ce qu'on sorte de là? Si, ça c'est des considérations politiciennes auxquelles je ne veux vraiment pas prendre part. Moi, je constate une situation de blocage. Le président de la République le constate aussi. Or, entre le président de la République et moi, il y en a un qui a des prérogatives pour nous sortir de ce blocage. Au lieu de ça, il ne vous aura pas échappé. C'est la première fois que je vois le président de la République faire une sortie médiatique et exprès a prévu, sur un coin de table, la Constitution. Et pour la première fois, je le vois en pleine émission s'emparer de sa Constitution. Ouvrir l'article 4, surtout. L'article 4. Et c'est là où je voulais en venir. Et c'est pour ça que je dis souvent, je l'ai dit tout à l'heure aussi, que j'ai parfois le sentiment que le président de la République se trompe de bonne foi. Pourquoi cette fois-ci encore? Lorsque le président de la République s'empare de sa Constitution, il nous lit l'article 4. Et que dit l'article 4? L'article 4 nous dit que le peuple exerce sa souveraineté à travers deux voies, première fois ses représentants élus, et par voie de référendum. Le président de la République s'en saisit pour dire « représentants élus, ce sont les députés ». C'est pourquoi je me suis trouvé légitime à leur envoyer le dossier afin qu'ils trouvent la solution. Ne l'ayant pas trouvé, il ne lui reste donc, au terme de l'article 4, que la voie du référendum. Et ça, il ne peut pas. Et c'est là où j'ai dit, le président se trompe de bonne foi.
Simplement parce que le président de la République a commis une erreur d'interprétation en pensant que représentant élu signifiait Signifiant. Assemblée nationale. En réalité, le premier des représentants élus à travers lequel nous exerçons notre souveraineté, C'est c'est lui-même. d'abord le président de la République. Et je suis surpris que dans son entourage, personne ne le lui ait dit et qu'on l'ait plutôt laissé venir justifier sa position à travers l'article 4. Je trouve qu'il y a là une vraie mal-donne. Et c'est pour ça que je continue de penser que si on explique au président de la République qu'il est le premier des représentants élus, que par lui et avant lui, en toute chose, par lui, s'exerce notre souveraineté nationale. Qu'en plus de ça, même dans l'hypothèse de la voie référendaire, lui a la possibilité de saisir le peuple. Je pense qu'il a tous les moyens. Et quand il se rend compte que, je dis, moi je rigole souvent en disant que les députés, c'est des représentants élus partiels, c'est des représentants partiels de notre souveraineté. Ils ne représentent que la circonscription électorale dans laquelle ils ont été élus. C'est vrai que par fiction juridique, on a dit que le député est le représentant de la nation, que tout mandat impératif est nul. Mais tout le monde sait aussi que dans la réalité, un député d'une circonscription électorale ne peut pas aller faire une campagne dans une autre circonscription électorale simplement parce qu'il n'est pas élu du coin et qu'avant tout, le député est élu du coin. Mais le président de la République, lui, il est élu par l'ensemble. C'est-à-dire l'ensemble des 24 circonscriptions sont fondues en une circonscription unique, la circonscription nationale, qui lui confère une légitimité à nulle part égale. Et que cette légitimité-là, c'est elle qui lui permet de dire que même lorsque les députés n'ont pas pu trouver une solution, moi, j'ai l'obligation de sortir le pays de cette situation. L'article 41 fait de lui, contrairement aux députés, le garant de l'unité nationale, fait de lui le garant du respect de la Constitution, fait de lui, bref. Le président de la République, dans notre système, est le dernier recours. Je dirais d'ailleurs, ce n'est pas notre seul système. Je ne connais pas un seul exécutif au monde qui soit si faible qu'il n'ait pas les capacités de gérer. Il n'en existe pas. Il y a juste des mécanismes de contrôle qui sont différents d'un pays à l'autre. Donc, fondamentalement, j'étais très mal à l'aise de voir le président de la République en train de nous dire, les députés n'ayant pas pu trouver une solution, je ne peux quand même pas les dessaisir simplement parce que l'article 4 dit ceci. Non! Et donc, moi, c'est pour ça que vous disiez que peut-être que j'espère encore. Oui, je continue d'espérer parce que je me dis que l'expliquer au président de la République n'est pas du tout compliqué. Il suffit simplement que tout le monde se mette ensemble pour le lui dire. Parce que pour l'instant, je crains qu'il n'ait entendu que les voix de ceux qui le conseillent. Nous sommes tous béninois et il nous gère tous. Je disais tantôt qu'il était élu de toute la nation. Même lorsque le président de la République, au Bénin ou ailleurs, est élu à 50% plus 1, il représente tous les citoyens. Tous les citoyens, systématiquement. Il y a même des régimes dans lesquels le président est élu par la proportionnelle. Dès le premier tour, il a 22%, il est élu. Mais même dans cette hypothèse-là, il incarne l'unité de la nation. Il représente tout le monde. Donc, c'est normal, malheureusement, que pour des raisons techniques, tout le monde ne puisse pas être autour du président, surtout qu'on a choisi un système démocratique. Il faut nécessairement que des gens soient avec lui, d'autres qui organise l'opposition, c'est le principe démocratique, et qu'à partir de ce moment-là, quand il y a une crise, il doit être capable d'aller au-delà de son seul entourage et d'écouter tout le monde. Et donc, je continue d'espérer que d'ici là, pourquoi pas, je suis de nature très optimiste, je fais partie de ceux qui pensent qu'il est toujours possible que voilà, le président de la République finisse par nous écouter, en sachant que tout ce que nous faisons n'est pas du tout dirigé contre lui. Tout comme d'ailleurs, nous nous convaincons que tout ce qu'il fait n'est pas dirigé contre nous. Il ne pouvait même en être autrement. Je vous ai donné les dispositions de l'article 41 de la Constitution. Donc le président de la République doit nous écouter parce qu'il y va de notre intérêt à tous et de son intérêt. Surtout que lui-même dit son malaise à voir cette situation-là. Monsieur le Président de la République, vous avez la possibilité de sortir de cette situation, de sortir le pays de cette situation, de sortir les Béninois de cette situation.
Avez-vous toujours l'impression qu'il n'a écouté que son entourage quand on sait que, je crois, l'article 68, sauf erreur de ma part, demande qu'il prenne ses responsabilités après avoir écouté et consulté le président de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée nationale. Avez-vous l'impression qu'il n'a fait qu'écouter ses proches quand on sait qu'il a rencontré les présidents d'institutions de notre pays élargies, au président de la Sénat et au médiateur de la République, et qu'à l'issue de cette rencontre, il y a eu un communiqué qui a dit que le processus électoral se poursuive et tout. Oui, pour moi, c'est. N'est-ce pas déjà une consultation qu'il a eu à faire? Pas dans le cadre de l'article 68. Pas dans le cadre de l'article. L'article 68 est très bien codé. C'est-à-dire que avant que le président ne prenne ses dispositions, il consulte le président de l'Assemblée nationale ainsi que le président de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est technique, c'est mécanique et tout. On l'a fait plusieurs fois déjà par le passé. Je vous ai rappelé de façon non exhaustive toutes les fois où l'article 68 a été utilisé. Bien. Quand il fait ces deux consultations, il a déjà le lot des ordonnances qu'il veut faire passer qui est prêt. Et donc, une fois la consultation, je signale que ce n'est pas une consultation conforme, comme on dirait. C'est vraiment consultatif. Donc le président peut écouter l'avis de la Cour constitutionnelle en tenir compte, comme il peut écouter l'avis du président de l'Assemblée nationale et en tenir compte, ou ne pas en tenir compte. Voilà. Les textes de la Constitution sont clairs dessus. C'est un acte de président, comme on dit. Je vous ai dit un acte de gouvernement, mais c'est plus qu'un acte de gouvernement, c'est un acte de président. C'est une prérogative propre au président de la République. Il décide seul, de l'opportunité de son utilisation. Mais la Constitution dit tout de suite que lorsqu'il décide cela, lorsqu'il en a informé, disons consulté, les deux présidents d'institution, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle, il se présente devant la nation. Et il prend la parole devant la nation pour dire, voilà pourquoi je veux prendre l'article 68. La situation est bloquée. Je serai même prêt à préparer ce type de discours pour le président, lui rappeler tous les risques inhérents au fait que, on aille aux élections rien qu'avec les deux blocs. Et à ce moment-là, il dit, voilà, j'ai décidé de prendre Parce qu'il ça. n'a véritablement de compte à rendre qu'à ce peuple-là. Oui, après tout. C'est d'ailleurs pour ça que la procédure, c'est clair, c'est mentionné dans l'article 68, il s'adresse à la nation par un message. Et il informe de ce qu'il veut prendre. Il n'y a absolument rien de dangereux à cela. Et vous annoncez à un peuple dont une partie avait déjà plus ou moins fait ses choix liés au passé de notre histoire, enfin au passé de notre démocratie, et dont vous êtes. En fait, qui se voient privés de leur choix, en réalité. Vous leur dites, je vous retourne votre choix. Vous pensez qu'ils ne seront pas contents? Ceux qui ont décidé de voter les deux blocs du président vont voter, vont continuer de voter. Et ceux qui ont décidé de voter pour l'opposition, et parce qu'ils l'ont toujours fait, vont continuer de le faire. Et ça, vous unissez une nation. Vous ne divisez pas une nation. Et maintenant, la Constitution ne s'en est pas limitée à ça. La Constitution va jusqu'à dire que. Les mesures, ça c'est l'article 69, c'est deux articles qui s'analysent, comme on dit en droit, on fait une lecture combinée de ces deux articles. Il y a l'article 68 et l'article 69. L'article 69 lui dit, les mesures que vous devriez prendre doivent être caractérisées par deux choses. Premièrement, le désir de retourner très rapidement dans la norme, donc à la normale, et deuxièmement, aucune des dispositions que vous prendrez par les ordonnances ne doivent pas violer les droits garantis constitutionnellement. Autrement dit, autant en amont l'initiative de l'utilisation est discrétionnaire, autant en aval il y a un contrôle de constitutionnalité afin que le président de la République soit limité dans les mesures qu'il est en train de prendre. S'il prend une décision, une par ordonnance, qui est attentatoire au droit constitutionnel, la Cour constitutionnelle, à ce moment-là, dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. C'est vraiment les limites de l'utilisation. Par ailleurs, l'article 68 dit, lorsque vous décidez de faire ça, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit et fixe la période au-delà de laquelle vous ne pouvez pas continuer de l'utiliser. Et depuis que ça a été utilisé au Bénin, à peu près une bonne dizaine de fois,
toutes les fois, l'Assemblée s'est réunie et a fixé à 24 heures la durée au-delà de laquelle le président de la République ne saurait plus prendre des ordonnances. Ça s'est toujours très bien passé. Il n'y a donc pas une arme atomique particulière à confier au président Talon, parce qu'il serait président Talon. Non, c'est une arme confiée à nos présidents par la Constitution depuis 1990, afin qu'ils nous sortent des situations parfois inextricables, qui ne sont pas de nature à renforcer notre système démocratique. C'est juste de ça qu'il s'agit. C'est juste de ça qu'il s'agit. Et donc, je ne vois vraiment pas quelles sont les inquiétudes que les collaborateurs du président de la République ont réussi à lui mettre dans la tête, de sorte qu'il se soit convaincu de ce que c'est une arme atomique dont il ne veut pas créer. Pensez-vous qu'il soit animé d'une mauvaise volonté, appelant les choses par le nom? Je ne sais pas. Mais par contre, vous savez, comme j'ai dit, je vais rester dans mon rôle d'intellectuel engagé socialement jusqu'au bout. Mais quand vous écoutez l'opposition, vous avez le sentiment que c'est prévu, c'est fait exprès. Mais en même temps, moi, je n'ai pas intérêt à déceler la mauvaise foi du président de la République. J'aurais plutôt intérêt à déceler sa bonne foi. Et sa bonne foi, c'est ce que je vous dis, qu'il se trompe de bonne foi. C'est exprès que j'ai dit ça. Le président de la République se trompe, mais de bonne foi. Mais parce qu'il se trompe de bonne foi, il suffit juste de lui donner un son de cloche différent. Et c'est pour ça, moi, j'ai accepté votre invitation. Je sais que s'il n'écoute pas lui-même personnellement l'émission, on lui rendra compte. Il faudra qu'il sache que cette disposition n'est pas adressée à lui en titre personnel en tant que Patrice Athanase Guillaume Talon, mais ça lui est donné comme prérogative du président de la République. Avant lui, tous les présidents que nous avons élus l'ont utilisé au moins une fois. Je dis au moins une fois, parce que Soglo l'a fait deux fois, seul Kérékou l'a fait une seule fois, et Yahi l'a fait près de 4 à 5 fois. Donc en réalité, c'est une âme que le constituant a prévu, surtout dans l'hypothèse d'une démocratie naissante, qui mériterait d'être consolidée, de ne pas laisser des situations de ce genre venir phagocyter l'évolution normale de notre système démocratique. C'est pour ça que c'est conçu, c'est pas pour autre chose. Et donc, j'ai du mal à comprendre que les collaborateurs du président de la République ne lui aient pas expliqué ça à dessein. C'est juste pas possible. Parce que sinon, figurez-vous, toutes les fois où le président Soglo n'avait pas de budget, le pays aurait été paralysé. Et c'est d'ailleurs pour ça, moi je disais, le président de la République, de bien regarder dans la formulation de l'article 68. On n'a pas seulement parlé de situations liées à la rupture du fonctionnement normal. On est allé jusqu'à dire menacer, lorsque les institutions sont menacées. Mais qui décide de la menace? Qui évalue la menace? Qui pense la menace? C'est celui qui a le pouvoir discrétionnaire, c'est le président de la République. Et c'est pour ça que j'ai dit à un moment donné, peut-être que nous n'avons pas la même évaluation des risques de cette situation. Parce que si on a la même évaluation, j'ai le sentiment qu'on a la même évaluation, sauf que lui, il la minimise. Alors que pour moi, elle est suffisamment grave. Et donc, c'est juste aussi à ce niveau-là qu'il faut attirer l'attention du président. Je disais que l'utilisation de l'article 68 était un genre de proposition que vous suggériez au président de la République avant d'en arriver là, quand le débat était à l'Assemblée nationale avec les députés, vous suggériez. Quand on parle de consensus, vous avez soutenu que le consensus n'est pas à voir du côté parlementaire seulement, et que le président de la République avait déjà réuni certain nombre de partis politiques, en tout cas, et a renvoyé la balle dans le camp des députés, pouvait élargir ça, pouvait prendre une autre initiative et élargir. Lui, il dit qu'on lui demande d'organiser une conférence nationale bis, alors que pour lui, ce serait fait un coup d'État. Si c'était décisionnel, une conférence qui prendrait des décisions qui s'imposeraient. C'est l'un des points avec lesquels j'étais d'accord avec le président de la République. Je fais partie de ceux qui n'ont jamais suggéré une conférence nationale. On est dans le pays, on sait quels sont les clans qui réclament ça. Mais c'est lié à la pluralité démocratique.
Ce n'est pas parce que quelqu'un propose une solution que d'office elle s'impose. Non. La preuve, c'est que jusqu'à présent, j'ai proposé l'article 68, elle ne s'est pas imposée. Et je suis tout à fait d'accord avec le président lorsqu'il estime qu'une conférence nationale bis, c'est une remise en cause de l'ordre constitutionnel actuel. Or, l'article 68 n'est pas une remise en cause puisqu'elle est prévue par la Constitution. Vous comprenez la nuance? Une conférence nationale souveraine remettrait en cause l'ordre constitutionnel actuel. Et de ce point de vue, franchement, je n'ai pas un seul iota à ajouter à l'analyse du président de la République. Je suis d'accord avec lui. Je fais partie, on demande mon avis, je ne serai pas favorable à une conférence nationale souveraine. Mais qu'il y ait des conférences nationales sectorielles, voire même consultatives, je n'ai absolument aucune opposition. Mais ce n'est pas ça qui nous sort de la crise actuelle. Et donc, le président de la République, je pense, sur ce plan-là, a entièrement raison de rejeter l'idée de la conférence nationale, mais les raisons pour lesquelles il a rejeté l'utilisation de l'article 68 ne sont pas fondées, ne sont pas convaincantes, et c'est bien pour ça qu'il faut le lui faire comprendre. Votre dernière signature, en tout cas, sauf de ma part, président Victor Tocqueno, pour toujours espérer qu'on sorte de là, c'est cette tribune-là que vous avez co-signée avec beaucoup d'autres. Je voudrais citer le père Ifou et Julien Penoukou, ancien aumônier national des cadres et personnalités politiques. Ancien ou il est toujours? Je crois, sur la tribune, c'est ça qui a été mentionné. Et également, professeur Frédéric Joël-Aïvon, lui, professeur agrégé de droit public, constitutionnaliste, ancien doyen de la faculté de droit et de sciences politiques à l'UAC. Omar Haruna, lui, ancien ambassadeur du Bénin, près les États-Unis, le Mexique, j'en passe. Riki Amadougou, Sylvain Adekpédouakindes, Simon Narcisse Tombetti. L'initiative était partie de qui? De Père Efoué, de Père Penoukou, parce qu'il est le premier à signer. Est-ce parce qu'il est homme de Dieu que vous avez préféré que ce soit lui qui mette sa signature pour... J'avoue que moi, j'ai été contacté pour cette initiative-là par le professeur Aïvon. Le professeur Aïvon. Donc j'imagine, je ne lui ai pas demandé d'où elle est partie. De deux choses l'une, ou c'est lui qui en est l'auteur, ou c'est quelqu'un d'autre de tous les co-signataires. Mais moi, j'ai aimé cette initiative d'abord à cause de la finalité. Il est très important que dans un pays, tout le monde, en tout cas un grand nombre de personnes partagent les mêmes vues, c'est-à-dire la sortie de crise, ce qui n'est pas du tout, on ne peut rien reprocher à cela, mais aussi et surtout parce que c'est une première dans notre pays. Qu'en pleine crise, un certain nombre de personnes comme ça co-signent une lettre pour suggérer une voie de sortie de crise. C'est des pratiques très anciennes dans les anciennes démocraties. Et je pense que pour nous aussi, c'est une très bonne chose. Et je veux juste espérer que pour d'autres occasions, il y ait des collectifs comme ça qui signent des tribunes pour, je veux dire, militer pour une cause, militer pour une idée, pour un idéal. Je pense qu'il faut plutôt souhaiter la multiplication de pareilles initiatives. Est-ce que vous n'avez pas décidant de vous associer à cela, peur qu'avec les mots, surtout qu'on a lu là, que vous soyez pris pour des opposants déjà du président de la République ou des adversaires presque. Non. Parce que les mots, il faut l'avouer, ça semble relater une certaine gravité. Je lisais presque, sauf erreur de ma part, entre les lignes, même de la colère. Je suis là pour enseigner. Mais non, pas du tout. C'est un avertissement. Et puis après, je pense que il était du devoir d'un certain nombre d'entre nous d'attirer l'attention du président de la République là-dessus. Parfois, le style permet d'aggraver les circonstances pour mieux sensibiliser. Des fois, il est souhaitable d'alléger le style. Je pense que pour nous, qui sommes co-signataires, nous considérons cette situation comme une première. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, qu'on se retrouve à peu près en 1989-90, à la naissance de notre démocratie. Nous avons juste le sentiment que si on traverse cette étape-là, on risque de sortir définitivement de notre démocratie. Et donc, pour ne pas y arriver, il est important parfois de grossir les traits. Il est parfois utile de sensibiliser. Et je pense que de ce point de vue-là, l'objectif est atteint. Mais la colère, non. Mais soucieux, préoccupé, certainement.
Très certainement. Est-ce qu'on n'y lit pas même de la menace parfois lorsque je lis quelque part, vous semblez mettre même en garde le président de la République quand vous lui dites qu'il a, je vous lis, si vous avez ainsi la force et les moyens d'imposer l'élection du 28 avril, vous savez aussi que ce peuple, celui de Béanzin, de Kaba et de Bioguera, a la puissance et la légitimité pour tout arrêter quand il le voudra et quand il en aura marre. À ce moment-là, le peuple souverain, seul maître de ce pays et propriétaire de toutes les institutions et des deniers publics, n'avertira personne, ni la Sénat, ni les deux listes siamoises, encore moins vous-même. Quand vous l'écrivez à un président de la République, est-ce que vous n'avez pas peur qu'il se sente un peu frustré? Mais non, il aurait tort de se sentir frustré. Rien de se sentir ce que... menacé aussi. Oh ben non. Lui dire que bon, si tu continues ainsi, Est-ce que quelqu'un au menu menace? Il faut bien peser vos mots. Non, on ne peut pas menacer un président de la République, mais on peut juste attirer son attention là-dessus. Rien de ce que nous avons dit n'est hors de la Constitution. Rien. C'est-à-dire la souveraineté, c'est ce que le président de la République a rappelé à travers l'article 4. Nous l'avons dit en d'autres mots. Et ensuite, son exercice. Son exercice, c'est vrai, le président de la République a pensé, conformément à l'article 4, aux représentants élus d'une part et la voie référendaire d'autre part. Mais en démocratie, le peuple a également la possibilité de s'exprimer dans les rues. Voilà. Ce n'est que ça. Ce ne sont que ces éléments constitutifs de la Constitution qui ont été restitués. Maintenant, c'est la référence à Bioguera, à Kaba, à Béanzin, qui peut vous paraître un peu excessif. Mais je ne dirais pas excessif. Pour moi, je continue de penser que dans des circonstances pareilles, c'est un jeu de style que de grossir parfois les traits pour une prise de conscience beaucoup plus rapide. Si, quelque chose... Vous imaginez un prêtre, je finis là, le père Pénoukou en train de menacer un président de la République. Franchement, non. Je ne pense pas qu'il faille faire une interprétation de ce test-là dans le sens d'une menace. Vous semblez avoir épousé tous la formule du prêtre à la fin, à la signature, lorsque vous dites que toujours en prière, pour que se réalise le désir du chef de l'État publiquement déclaré le 6 mars 2019 d'avoir des élections législatives inclusives. J'appose ici ma signature dans le seul souci de soutenir toutes les initiatives pacifiques allant dans ce sens. Mais ça va de soi, c'est tellement évident. Tellement évident, vous comprenez, on est dans une situation trop difficile pour se permettre d'en rajouter. Vous avez dit tantôt vous-même que les députés n'ont pas pu trouver une solution et le président a considéré que la minorité s'est laissée aller à la surenchère, etc. Pourquoi voudriez-vous que d'autres acteurs de la société civile en rajoutent? C'est pas notre but. C'est pas notre but. Donc, franchement, moi, c'est la première fois que j'entends quelqu'un faire cette interprétation de ce test-là. Mais c'est aussi ça le propre des tests qui tombent dans le domaine public. Lorsque vous avez fini d'écrire, vous ne pouvez empêcher personne de l'interpréter comme il veut. C'est pour ça que beaucoup n'aiment pas écrire. Quand vous avez écrit, après, vous ne contrôlez plus l'utilisation qui en est faite. Donc, mais nous pensons que nous avons suffisamment fait attention au choix des mots, à la syntaxe, etc., pour que, franchement, cela ne puisse pas être considéré comme ça, c'est même trop grave, je vais dire, rajouter à la crise, voilà. Il faut toujours avoir présent à l'esprit que notre souci, c'est d'aider le président de la République à nous sortir de là. Si on peut y arriver, nous serons les plus heureux de la Terre. Et puis après, voilà. Avant cette tribune, Victor Togbano, personnellement, vous vous êtes saisi, après la rencontre des présidents d'institutions, vous avez lu aussi en des termes, vous en êtes presque pris à certains parmi ces présidents d'institutions. Oui, ça par contre, c'est pour ça que ce n'est pas une lettre collective. Mais parce que, vous comprenez... Vous étiez révolté après ce qui s'est passé? Je souffrais dans ma peau. Je souffrais parce que, comme j'ai dit dans le test, il y a des gens pour qui j'avais beaucoup d'estime parce qu'ils ont contribué à la mise en place de ce système à un moment où la situation était encore plus difficile, c'est-à-dire qu'on voulait passer d'un système dictatorial à un système démocratique. On avait, à l'époque, autour du président Mathieu Kérékou, deux camps.
dont l'histoire nous permet aujourd'hui d'identifier les différents membres. Il y avait un camp, ce qu'on appelait les Faucons, qui ne voulaient pas qu'il admette le caractère souverain de la conférence nationale et qui ont menacé. Il y avait de l'autre, ceux qui lui disaient, après tout, c'est pour nous, nous avons eu un échec, assumons-le, allons-y. Le président de la République a été celui à qui, contre qui les Béninois ont lancé la pierre, même si ce n'était pas la majorité. Tout le monde se souvient toujours de ce tronçon d'Entopa-Saint-Michel où on lui a jeté la pierre. Il avait la possibilité, à ce moment-là aussi, de donner des instructions à ses gardes-corps, à l'effet de tirer sur la foule. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il est allé se caché dans une église. Donc, quand on a vu des gens qui ont vécu ça, je pensais notamment à Ousmane Batocor, président de la Cour suprême, et beaucoup d'autres, sauf que dans les acteurs actuels, c'est encore à lui que je pensais, qu'il ait accepté comme ça de laisser se dérouler une élection que le président lui-même a dit quelques jours plus tôt, le 6 mars, qu'elle n'était pas de nature à redorer l'image démocratique de notre pays, que lui-même n'était pas. Je dis franchement, je me suis dit qu'il fallait que je leur adresse un message personnel. Ne pensez-vous pas qu'à cette réunion, il y a l'avis de quelqu'un qui pourrait s'imposer aux autres avis? Comment pouvait-il influencer autrement C'est à eux de nous expliquer ici alors. le président de la Cour suprême? C'est à eux de nous expliquer. La procédure, c'est que le président de la République invite les acteurs. Et face aux acteurs, il y a le public. Le public n'a pas les mêmes informations, donc le public fait son interprétation en fonction de ce qu'il voit. Vous savez, j'ai toujours coutume de dire que dans ces choses-là, c'est l'information qui est la plus importante, qui est la plus déterminante. Lorsque vous avez la bonne information au bon moment, vous prenez la bonne décision. Si vous prenez une décision avec une seconde de retard en matière d'information, vous êtes complètement décalé. Et donc, il revient à ceux qui ont été là de nous dire ce qui s'est passé. Mais comme ils n'ont pas encore parlé, il est aussi important qu'en face, le public les interpelle. Moi, je l'ai fait par écrit, dans une tribune. J'ai l'habitude, malheureusement, et heureusement d'ailleurs, de toujours assumer la responsabilité de mes propos. Donc, je signe. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui n'ont rien signé, mais qui les ont tout autant critiqués, et parfois même en des mots beaucoup plus acerbes. Et donc, je pense qu'en le faisant, c'est pour qu'ils m'identifient, sachent celui qui a dit ça, et que s'ils ont des informations à donner, qu'ils les donnent. Malheureusement, jusqu'à présent, aucun d'eux n'a encore parlé, ce qui accrédite donc la thèse qu'ils étaient tous d'accord. Vous avez écouté le président de l'Assemblée nationale, je vais dire. La dernière fois à l'Assemblée nationale, vous avez suivi son discours. Oui, j'ai suivi. Est-ce que ce discours ne pourrait pas vous amener à reconsidérer un peu vos propos et à savoir que, ben oui, comme il a dit, Oui, je... il y était en tant que, institution, en tant Oui, que. c'est bien. Et donc, il était important qu'il ait lu Mais ma tribune avant. Celui que vous avez écouté à l'Assemblée nationale, Adrien Mbeki, est-ce que sa position ne transparaît pas dans son Oui, discours? mais je suis content. J'ai même le sentiment qu'il s'est senti obligé de répondre d'une certaine manière. Donc il a donné sa part de vérité, ce qui est très bien. Et moi, je trouve qu'effectivement, si ça c'est, s'il continue comme moi d'espérer, c'est surtout cette partie du discours qu'il faut mettre en lumière, que ce qui a toujours fait le génie du peuple béninois, c'est le dialogue. Et qu'à travers ce dialogue, on finit toujours par trouver un consensus. Et qu'il espère encore que cette session qui s'ouvrait le 12 donne l'occasion de trouver ce consensus. Il rejoint exactement, mais pas une voix différente, ce que je souhaite. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on trouve effectivement ce consensus et qu'à défaut, le président de la République prenne ses responsabilités. En tous les cas, ce que je souhaite, comme le président de l'Assemblée nationale, c'est qu'on sorte de cette situation qui n'honore pas l'image de notre pays, mais en plus qui est potentiellement chrysogène parce que, évidemment, aux conséquences et aux comportements, aux réactions imprévisibles. Vos souhaits, ceux de Adrien Mbeki, vos prières de l'ensemble, vœux pieux, parce que là, vous me faites, excusez que je dise vous, et vous qui émettez des avis, et ceux qui disent pas d'élection sans opposition, ils ne font que parler. Mais ça continue, vous voyez les chats circuler dans les rues, dans les villes, désormais, depuis quelques jours, pour ne pas dire depuis quelques semaines.
Est-ce que vous n'avez pas cette impression que devant Yakubaïs, comme quelqu'un le dirait, et que bon, on va, on, pour dire ceux-là qui ont des récriminations, ils vont en souffrir, mais qui ne pourront rien faire. Oui, au jour d'aujourd'hui, oui. Ceux qui disent ça ont raison. Rira bien qui rira le dernier. On ne peut rien envisager, dire que les mêmes comportements, les mêmes personnes que vous voyez aujourd'hui auront les mêmes comportements demain. Voilà. Et c'est peut-être aussi ça qu'il faut anticiper. Est-ce qu'on pense qu'en mettant les chats dans la rue, ça serait suffisant? Est-ce que les chats ne sont pas arrivés trop tôt? Dévoiler une certaine stratégie, permettre aux gens d'en face de réadapter leur stratégie. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de risque? Est-ce que le risque-là en vaut la peine? C'est la première fois que nous voyons les chats, nous, au Bénin, avant le vôtre. On a vu après le On vous vôtre. dira qu'en temps de Boniaï, qu'il y a eu une situation comme ça, Boniaï a fait sortir des chats. Quand? Vous voulez parler de la période? Ah, c'est pourquoi vous dites après, Oui, certainement. c'est pas pareil. Et je suis précis dans ce que moi je dis. Le président de la République, le président Yahi Boni, a sorti les chats après le chaos. C'est ce que je voulais vous faire dire. Après le chaos. Et voilà, mais on ne l'a pas vu avant les élections. Avant les élections, la tension était tout aussi perceptible. Alors, je me Oui, mais il n'y rappelle, avait pas les chats. sauf erreur de ma part, vous, dans le collectif des présidents, en tout cas des candidats à cette élection à l'époque, parce qu'il y avait une situation qui prévalait autour de la liste électorale permanente Et on a obtenu informatisée. gain de cause. Et vous. On a obtenu 2 semaines de report des élections pour permettre au COSLEPI d'actualiser davantage encore la LEPI. C'était la demande du collectif des candidats. On l'a obtenu. On avait reporté les élections de 2 semaines. Donc on n'avait pas besoin de chars. C'est la même chose aujourd'hui. Vous me donnez l'occasion de confirmer encore une fois de plus ce que j'ai dit. On est en situation préélectorale, en crise préélectorale. Et on s'en était sorti. Le président Yahi Boni a accepté l'idée. On n'a pas demandé non plus un report d'un an. On n'a pas demandé un report d'un mois. On avait demandé un report de 2 semaines parce qu'on considérait que le calendrier permettait de saisir cette marge-là. Et ça n'a pas raté. Je pense que pendant les 2 semaines, il y a eu à peu près 100 000 personnes nouvelles, je crois 80 et quelques mille à l'époque, qui se sont inscrites, qui n'auraient jamais pu voter si on n'avait pas ouvert ces 2e. Alors, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est la même chose. Juste permettre des élections inclusives. Tout simplement. À l'époque collectif, aujourd'hui, vous l'avez entendu avant même la dernière sortie du président de la République le 11 avril dernier, l'opposition s'est réunie à appeler à la résistance. Comparaison n'est peut-être pas raison. Pensez-vous qu'ils sont dans la même logique qu'entre-temps, ils sont en train de parler, d'appeler ce peuple à prendre ses responsabilités au-delà de la leur? Non, ce qui s'est passé en 2011, c'était la présidentielle. Et là, c'est les législatives. C'est pas pareil. C'est 2 élections différentes. Le principe est le même, c'est-à-dire le droit de vote et la liberté de choisir de chaque citoyen. Je suis d'accord. Mais enfin, ce ne sont pas 2 élections pareilles. En 2011, les candidats pouvaient se réunir et parler. Là, voilà, il y a des listes qui vont aux législatives et c'est plutôt des partis qui y vont. Alors que pour la présidentielle, on peut même être indépendant. Ici, ce sont les partis. Donc c'est normal que les partis qui ont le sentiment, et c'est pour ça que je vous dis que moi je ne vais pas faire de la politique politicienne, qui ont le sentiment, à tort ou à raison, que c'est un plan qui se déroule. Et que s'il n'est pas arrêté, c'est tout le monde qui y perd. C'est normal que la conséquence de leur raisonnement soit de dire, attention, peuple béninois, c'est votre droit qui va être qui vous sera retiré, donc mobilisez-vous. À la place de mobilisez-vous, ils ont dit résistance. Pour moi, c'est toujours la même finalité. Nous Donc ils sont allons dans leur rôle. donner l'opportunité aux auditeurs de commencer par intervenir. Vous le savez, cette émission, elle est interactive. Pour intervenir, mesdames, messieurs, vous allez composer les numéros qui vous sont désormais traditionnels, pourrais-je dire. 64 44 02 44, 64 44 02 44, ou le 66 75 72 72, 66 75 72 72. Un premier auditeur est en ligne. Bonjour. Bonjour, Saturnin, Jean Coton. Jean Coton, bienvenue à vous. Oui, salut professeur Prudent Topano. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Alors, quand on sait que le chef de l'État, Patrice Talon, est un personnage,
qui, dans ses réformes, est toujours resté dans la logique de Anna Maria Marinka, qui pense que la seule compétition qui existe réellement, c'est celle que nous faisons avec nous-mêmes. Fin de citation. En rejetant toujours la contradiction. Est-ce que vous ne faites pas preuve d'un sophisme en vous nourrissant de cet espoir surdimensionné dont vous avez tout au long de cette émission en pensant qu'un miracle est toujours possible? Première question. Deuxième question pour finir. Dans sa logique de refus de la compétition, et parce que c'est de cela qu'il s'agit, faudra-t-il forcément recourir à la mise en œuvre de l'article 108 avant de rendre inéligible, par exemple, le certificat de conformité que l'autre, sans en avoir les prérogatives, a érigé au rang de pièce éliminatoire, et d'enjoindre le DGI des mesures idoines à prendre pour délivrer à temps le quitus à tous ceux qui en ont droit? La seule compétition. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie. Merci à vous, Jean Coton, un autre auditeur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Sébastien Nyohosso. Monsieur Nyohosso. Je salue le professeur Topanou. Bonjour, monsieur. Vous avez déjà fait votre devoir et au moment opportun, le peuple vous donnera raison. Parce que je constate qu'il est irréparable, est fait ou est en train d'être fait, et la mort qui n'est pas individuelle ne pose aucun problème. Si cela est fait pour le développement de notre nation, on a produit. Mais si c'est le contraire et l'intérêt personnel qui est là, je crois que le peuple avisera au moment opportun, même si le peuple est impuissant face à certaines choses. Ma question est de savoir, est-ce que ce n'est pas un chèque à blanc qu'on est en train de donner au président de la République en envoyant seulement les députés du même bord à l'Assemblée, et le président va vouloir utiliser jusqu'à tomber là où lui-même ne va pas vouloir aller, et c'est parce que les institutions n'ont pas pu jouer leur rôle, comme l'Assemblée qui est en train de terminer maintenant. Elles ont voté des lois, l'Assemblée a voté des lois qui permet au président de faire certaines choses, donc il les rattrape aujourd'hui. Alors que un chef, normalement vous voyez nos révélants qu'on appelle Kouito là, quand il sort de la maison, on lui met quelqu'un devant qui est à Moussa, on appelle qui tient un bâton. Quand il veut dévier, et le monsieur lui met les bâtons pour dire n'est pas allé ici. C'est normal, c'est ce rôle que nos institutions devaient jouer. Et sinon, ils ne sont pas en train de conduire le président là où ils ne voulaient pas aller. Pour finir, est-ce que vous ne voyez pas que notre démocratie est dirigé par le bon vouloir de celui qui est en tête, et c'est ce que lui veut, il a pris. Notre démocratie n'est pas comme ça maintenant. Merci, bonne émission à vous et bon dimanche. Merci à vous, M. Nyohosso. Un troisième auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, M. Saturnin Diosso. Oui, je suis Herman Menton, j'appelle de Védocor. M. Menton, vous avez l'antenne. Merci, professeur Victor, président Topano. Bonjour. Quelques questions, la première. Selon vous, pourquoi les professionnels des médias qui étaient en face du chef de l'État lors du débat n'ont pas abordé ces exemples-là dont vous venez de nous parler pour avoir la réaction du chef de l'État? Les exemples de son excellence Ayasona Mathieu Kérékou, bon, il y a M. Fodius Sonisoglo et l'ancien président Boni Yayi. Deuxième question. Moi, j'ai l'impression, je pense fortement que si le chef de l'État voulait, il pouvait faire quelque chose, prendre une ordonnance pour qu'on ait des élections inclusives. Moi, Herman Menton, je le pense fortement parce que je sais que c'est un monsieur courageux et il a les moyens de ce qu'il veut faire. Alors, est-ce que M. Victor Prudent Topano pense la même chose? Dernière question pour finir. Est-ce que moi, particulièrement, je me dis, la 8e assemblée qu'on veut installer, est-ce qu'elle va satisfaire nos attentes lorsqu'on voit que ce sont des partis qui, pour ne pas dire les partis du chef de l'État, qui vont en compétition? Est-ce que le peuple va s'attendre au pire? Et dans le même temps, lorsqu'on voit un ministre de l'Intérieur
responsable d'un parti politique et que c'est son institution, bien sa structure, qui doit délivrer le certificat de conformité, est-ce que le code électoral, bien la loi là, ces lois qu'on a votées par le passé n'ont pas péché quelque part? C'était Herman Metton, je vous souhaite une excellente journée dominicale, pour ne pas dire dimanche des rameaux. Merci à vous, monsieur Metton. Un autre auditeur. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Aminoubou André, depuis Alada. Vous avez l'antenne, monsieur Aminoubou. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on dit souvent que c'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Je voudrais demander à monsieur Topanouni si aujourd'hui il peut nous dire quelque chose sur l'attitude des institutions telles que l'ONU et la CEDEAO. Est-ce que le peuple béninois peut compter encore aujourd'hui sur ces institutions? Deuxième question, est-ce que ce n'est pas le plan d'après Sassou qui est mis en marche? C'est quoi le plan d'après Sassou? Ah, il avait dit en tant que le président fera 5 ans après 7 ans, est-ce que ce n'est pas ça qui est petitement mis en marche? Je voudrais demander ça à M. Tobani. Merci à vous, M. Amidjabou. Je suppose que votre silence signifie que vous avez épuisé vos questions. Un autre auditeur, le cinquième de ce matin. Un autre auditeur en ligne, bonjour. Madame, monsieur, bonjour. 64 44 02 44 66 75 72 72. C'est pour notre intervenir. On prend quelques auditeurs encore et puis on revient en studio. Bonjour à celui-ci. Allô, bonjour, monsieur Satunet. Oui, bonjour. Justo, oui. Et salut, monsieur le professeur. Bonjour, monsieur. Bon, vous êtes un professeur d'université. Votre nom, s'il vous plaît, déjà. Mon nom, c'est Damien Boya. J'appelle depuis Kokokodi. D'accord, monsieur Boya. Damien Boya, hein. Mm-hmm. Vous avez été professeur d'université. Vous êtes professeur d'université, hein. Bon, vous avez été conseiller d'un président de la République dans ce pays. Après, ministre de la Justice. Entre les deux choses-là, vous êtes professeur d'université. Vous préférez être professeur d'université ou bien politicien. Hein? Laissez le Bénin en paix, monsieur Topanou. Il faut laisser le Bénin en paix. Hein? Merci beaucoup. Allô, allô. Vous êtes parti? Monsieur Boya est là? Un autre auditeur, allez. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Et Eugène Ewagnignon. Oui, monsieur. C'est bien vous? Je salue votre invité. Mm-hmm. Monsieur le professeur, ne vous fâchez pas, je commence par vous admirer. Je ne sais pas si c'est votre verbe et votre prudence qui trompent votre prénom, l'un de vos prénoms, Prudent. Mais dites-moi, est-ce que Dieu ne sait pas faire ces choses ainsi? Nos parents ne savent pas faire des choses en nous portant de ces prénoms. Vous êtes prudent. Mais lorsqu'on vous écoute, vous avez la verbe de convaincre. Par contre, j'ai cru dans une histoire connaître le roi Guillaume aussi rigoureux, aussi dur. Ne voyez-vous pas que malgré tout ce que vous dites, ça va être compliqué, difficile au chef de l'État de vous suivre? Pourquoi? Parce que réellement, s'il avait la volonté, le courage, on le connaît quand même. Donc, s'il voulait faire vraiment ça, il l'aurait fait sans même se tromper en nous faisant accepter ce jour-là deux journalistes en veste noire. Monsieur Prudence Topal, quand vous aurez fini de plaider pour ça, la piété dans ce pays, et que à la fin vous serez pas suivi, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez penser? C'est ma première question. Deuxième question. Ne voyez-vous pas, en toute honnêteté, que les opposants ont péché? Je m'explique aussi facilement. Ils ont passé tout leur temps à faire ce qu'il ne fallait pas faire. Ils ont en face d'eux un système aussi rusé, comme eux-mêmes le disent. Mais ils n'avaient qu'à être éveillés, à ne jamais dormir, à les suivre. Ils se sont fait piéger. Moi, c'est ce que je pense. Maintenant, pour finir, je voudrais plutôt exhorter
c'est le peuple qui s'est senti, je dirais, et malmené, torturé, pressuré, dribblé à la prudence. Excusez de prêter votre prénom, Prudent, à la prudence et à boire la coupe à la lit. Merci. Nous sommes en semaine sainte. Eugène Léouagnignon, un tout bonjour, dernier auditeur. Le tout dernier. Bonjour. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Saturin Diosou. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Vous avez l'honneur d'en retourner et gagner. Vous avez l'antenne. Monsieur le professeur, bonjour. Bonjour, monsieur. D'accord. Je voudrais vous poser quelques questions. Est-ce que on a un vrai opposant dans notre pays, le Bénin? Est-ce qu'il y a vrai opposant dans notre pays, le Bénin? Monsieur Tokpanou, aujourd'hui, nous constatons que certains opposants dans notre pays demandent au peuple béninois de descendre sur la rue. Est-ce que c'est une bonne chose? Pour finir, on vous a écouté sur la radio Tokpa entre-temps. Vous aviez sorti des propositions. Est-ce que chef de l'État, chef de gouvernement, vous a écouté? C'était Garou Toré et Kaye. Bon dimanche à vous. Merci Garou Toré. Le tout dernier que nous allons recevoir ce dimanche, nous revenons au studio, professeur Tokpanou. Vous avez écouté les auditeurs, leurs préoccupations. Écoutez, la première concernant M. Coton, la question c'était de savoir si on est obligé d'aller à l'article 68 pour rétablir une situation normale. Parce qu'il considère que comme c'est une affaire de quitus fiscal, donc qui relève de la compétence du ministre de l'Économie et des Finances, et ensuite le certificat de conformité qui, lui, relève du ministère de l'Intérieur, il suffirait simplement que le président de la République donne des instructions à ses collaborateurs pour que la situation soit réglée. Je ne pense pas que ce soit aussi facile, parce que il faut commencer par le fait que, contrairement aux différents, aux précédents codes électoraux que nous avons connus, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre de l'Intérieur n'étaient pas autant impliqués dans les processus électoraux. Voilà. En le faisant ainsi que c'est fait aujourd'hui dans le nouveau code, ça dépasse les simples compétences administratives. Il faut nécessairement que la loi qui leur donne cette prérogative particulière, à savoir l'achat des partis ainsi que le code électoral, soit modifié. Et pour ça, effectivement, le débat était de savoir si pour modifier, on pouvait passer par l'Assemblée nationale ou si on passait par l'ordonnance. Évidemment, le président de la République a fait le choix légitime de passer par l'Assemblée nationale et ça a échoué. Bien. À partir du moment où ça a échoué, la question c'était de savoir si c'était la seule et unique possibilité. Et c'est là où moi je répondais naturellement que non, il y avait d'autres possibilités, notamment l'utilisation de l'article 68. Pour autant que nous soyons tous d'accord avec la finalité. En vous nourrissant d'espoir, n'est-ce pas, du sophisme, demandait aussi. Voilà. Oui, c'est possible, mais pourquoi empêcher des gens d'espérer? Il y a des gens guerriers de nature, il y a des gens optimistes à la limite du sophisme. Voilà, il n'y a pas à s'en plaindre. Maintenant, je ne sais pas dans quelle catégorie lui il est. Enfin, libre à lui. Voilà. Donc, j'assume mes positions pour l'instant. Ensuite, il y a Sébastien qui voulait savoir si l'élection du prochain de cette prochaine assemblée ne serait pas un chèque en blanc qu'on donnerait au président de la République. Au-delà du chèque en blanc, au-delà, il y a les vrais problèmes qui se posent, notamment l'image de la démocratie, notamment la question de savoir si oui ou non on va poursuivre dans cette voie démocratique. Parce que déjà, avec l'Assemblée sortante, les Béninois ne sont pas contents. Il y a eu les lois sur la précarisation des emplois. Il y a eu la loi sur les licenciements, la loi sur le droit des grèves, etc., etc., qui ont fait réagir beaucoup de pans de notre société. Et ça, c'était avec 62 députés seulement que le président avait à sa cause. Maintenant, il aura les 83. Donc, il ira encore plus loin. Il n'y a juste pas de raison.
de ne pas se projeter. C'est-à-dire que si les lois actuelles n'ont pas pu satisfaire, celles qui viendront satisferont davantage, encore moins. Et mieux, si le président a pu être bloqué dans une ou deux de ses initiatives, notamment la révision constitutionnelle avec le 83, il n'aura plus aucun problème avec. Parce que jusque-là, ces initiatives de révision constitutionnelle n'ont été bloquées que par la minorité. Parce qu'on a une minorité de blocage pour cette procédure particulière. Ça n'existera plus. Et donc, à ce moment-là, je fais le lien avec la question de Sosou Dakpé. Bien évidemment, si on peut faire le pari, je dis raisonnable, que si jamais la nouvelle Assemblée était installée le 15 mai, que déjà le 17, il y a une révision constitutionnelle. Et ça change toutes les règles du jeu. Il n'y aura même plus de débat comme il y en a eu en 2017 et 2018, parce que de toute façon, on saura qu'il y a 83 députés qui feront leur boulot. Ils sont peut-être aussi envoyés pour ça. Et donc, en fait, au jour d'aujourd'hui, on ne sait même pas quel va être le nouveau projet qui va être introduit. Vous ne pensez pas qu'au-delà d'être soutien du gouvernement, ils ont des convictions qui peuvent varier selon les sujets abordés à l'Assemblée nationale? Non, ça par contre, tout le monde sait que c'est non. Voilà. On a vu le comportement des 62, qui n'étaient pas élus directement par le président de la République, comment ils ont pu se comporter. Ce n'est pas ceux qui vont être élus grâce à lui qui vont se comporter autrement. Il y a après un mécanisme tout naturel de fonctionnement institutionnel. Et peut-être c'est là que beaucoup de nos compatriotes ne connaissant pas les réalités, ne perçoivent pas les menaces, ne perçoivent pas la gravité de ce qui se déroule sous nos yeux. Et quand ils s'en apercevront dans quelques temps, il ne faudrait pas qu'ils disent que pendant que ça se passait, entre guillemets, les intellectuels n'ont rien dit, les personnalités de la société civile n'ont rien dit. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a un débat aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui disent pour demain. À la limite, même s'ils n'y croient pas trop, ils disent qu'il faut au moins avoir dit pour que demain, si ça se passe mal, que personne ne dise qu'on n'était pas informé. Maintenant, si ça se passe bien, on va leur dire bravo, et on s'est trompé. Pensez-vous, voilà, comme Sébastien Nyoroso, que les institutions conduisent le président de la République dans le décor? Je pense que oui, parce que sortir de cette rencontre avec un communiqué qui laissait entendre que tous les présidents d'institutions étaient d'accord, il y avait quelque chose de désespérant. Effectivement, on peut penser que est-ce qu'ils avaient le choix, est-ce qu'ils pouvaient réellement dire autre chose? Si oui, ils avaient la latitude de le faire savoir depuis que cette réunion s'est achevée. Mais je pense qu'ils n'ont pas dit autre chose, donc ils sont tous consentants, à l'exception de l'exemple que vous avez donné tout à l'heure du président de l'Assemblée nationale qui laisse suggérer probablement, il n'aurait pas été consentant. Sinon, tout ce qu'il a dit serait en contradiction avec cette belle unanimité qu'ils ont obtenue au niveau des institutions. Et à moins de mettons, bon, c'est vrai qu'il pose une question. Pourquoi les journalistes qui ont dirigé l'entretien avec le président de la République n'ont pas abordé les aspects que vous soulignez? Déjà, oui, ça, je ne peux pas répondre. Bien évidemment. Peut-être qu'ils ne le savaient pas. On n'a pas la garantie qu'ils n'ont pas abordé, parce que c'est un entretien qui a été pré-enregistré. Ah oui, en plus. Qui a été pré-enregistré, il faut le dire aux auditeurs. Voilà. Ce n'était pas du direct, il faut le dire aux auditeurs, aux téléspectateurs. Donc ça a été monté et en plus avant d'être diffusé. Donc je ne laisserai pas. Et moi, maintenant, j'étais la pierre à vos collègues. À mes collègues. Très bien. Donc le président de la République, s'il voulait, il pouvait le faire, disait aussi Herman Menton. Oui. Est-ce que vous ne pensez pas la même chose? Là, c'est tout le débat entre la bonne foi et la mauvaise foi du président de la République. S'il ne le veut pas, qu'il n'est pas de mauvaise foi. Voilà, s'il ne le veut pas, c'est qu'il est de mauvaise foi. S'il le veut, c'est qu'il est de bonne foi. Je vais demander de mettre votre casseur, de l'enlever, parce que c'est ça qui fait ce sifflement à l'antenne. Moi, j'ai fait le pari que le président peut très bien se tromper de bonne foi. Voilà. Maintenant, peut-être qu'ils auront raison sur moi dans quelques semaines, dans quelques mois. Évidemment, vous avez déjà répondu à une de ces préoccupations. La 8e législature peut-elle se retrouver à satisfaire? Le besoin des bénévoles, vous l'avez dit. Ça m'étonnerait. Si avec les 62, voilà, on a eu... Ils n'ont pas pu, ce n'est pas avec les 83 qui le seront. Il évoquait la position du ministre de l'Intérieur. Juge est parti. Oui, ça aussi, beaucoup de gens l'ont relevé, à dessein. Mais en même temps, c'est vrai que ça fait partie des quelques contradictions de ces lois. Le président de la République lui-même, je crois, le 6 mars, s'en était offusqué
avait très vertement accusé les députés de n'avoir pas anticipé sur les décomptes, etc., etc. Je pense que ça fait partie des contradictions de cette loi. Il savait très bien qu'on ne pouvait pas empêcher un ministre d'être candidat. Mais pourtant, on lui a dit que, voilà, si vous intervenez dans le processus, vous ne pouvez pas être candidat. Bon. Il a voulu, je pense à titre personnel, qu'il aurait dû démissionner. Ça aurait fait la noblesse de la fonction, parce que le président de la République trouvera nécessairement quelqu'un pour le remplacer s'il démissionnait pour se consacrer. Est-ce qu'il avait le choix quand dans le code électoral c'est écrit de façon expresse qu'il ne faut pas intervenir dans... Oui, 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 mais en même temps, c'est vrai que... oui, je pense que fondamentalement, il aurait dû démissionner. C'est beaucoup plus élégant, c'est beaucoup plus conforme à l'esprit de la loi. Voilà. Il faut dire les choses comme ça, comme elles sont. Quelqu'un demande, André Amidjogbe, vous avez déjà répondu à une de ces questions, l'attitude de l'Organisation des Nations Unies, de la CEDEAO. Est-ce qu'il faut toujours avoir confiance? Je ne sais pas. Sa mission de bon c'est office. La première fois que j'entends ça. Les organisations internationales n'ont jamais rien réglé dans un pays. Jamais. Jamais. La CEDEAO, on l'a vu récemment encore au Togo, n'a pas résolu la crise. Et puis les Nations Unies, on les a vues au Congo, Congo démocratique, ils n'ont jamais résolu. Il y a une mission là-bas depuis, je crois, plus de 25 ans, qui n'a jamais réussi à régler la crise. Une mission dont on dit d'ailleurs qu'elle a un budget annuel supérieur au budget général de l'État congolais. Donc moi, je n'ai jamais compté sur le peuple pour faire ça, sur les organisations internationales pour une crise. Non, moi, je n'ai même pas regardé de près leur passage au Bénin. Moi, je fais beaucoup plus confiance au peuple, aux forces vives de la nation, au corps constitué et au peuple dans son ensemble. Et en 1989, on n'a pas eu besoin de la CEDEAO pour passer de la dictature à la démocratie. On n'a pas eu besoin des Nations Unies. Donc si on doit passer encore cette période difficile pour notre système, on n'aura pas besoin de la CEDEAO. Moi, en tout cas, je n'ai pas besoin de la CEDEAO. Je n'ai pas cherché à aller voir les Nations Unies pour leur dire « Venez nous aider au Bénin ». J'ai toujours pensé que, comme nous l'avions toujours fait depuis 1960 et particulièrement en 1990, il suffit de se parler. Et donc, vous disiez tout à l'heure en introduction que j'ai beaucoup parlé, c'est vrai, on ne peut pas reprocher d'avoir parlé. Et donc, c'est le pari que moi j'ai fait. Peut-être que celui-là, c'est votre auditeur, comptait sur les organisations internationales, mais je lui dis tout de suite, il se trompe. Est-ce que parce que vous parlez beaucoup, je ne sais pas si vous avez compris trop ce que voudrait insinuer l'auditeur Damien Bouya quand il disait « vous avez été professeur d'université, vous êtes professeur d'université ». Oui, oui, il me demandait de choisir entre mon métier d'enseignant et celui d'acteur politique, parce que pour lui, l'acteur politique serait probablement celui qui traîne le pays vers le précipice. Donc il me dit de laisser le pays tranquille, comme si mes prises de position étaient de nature. Mais je pense que, bon, voilà, quand vous avez une émission en direct, vous n'avez pas toujours des interventions d'égale qualité. Et puis voilà, il y a des gens, il faut toujours expliquer. En plus, moi, je suis enseignant. Donc c'est notre défaut quand on a affaire à des étudiants de toute capacité. Il y a des gens à qui vous parlez une seule fois, ils ont compris, mais à d'autres, il faut répéter encore, répéter toujours. Eugène Wagnon, ouais. Malgré tout ce que vous dites, ça va être difficile. Oui, oui, mais ça fait partie de ceux qui font le pari de la mauvaise foi. Parce que moi, je reste convaincu que si le président de la République était convaincu de s'être trompé de bonne foi, il peut à tout moment reprendre le processus. Que vaut un report de quelques jours, un retard dans un calendrier, voire même dans un calendrier constitutionnel, face à des risques de remise en cause fondamentale d'un choix de société que nous avons tous accepté par référendum en 90, parce que notre constitution date de 90 et a été adoptée par référendum. Et que vaut donc un léger décalage d'un calendrier face à ces enjeux aussi importants? Rien. Moi, ma réponse est que feriez-vous si à la fin, vous n'étiez pas suivi?
Je pense qu'à ce moment-là, je changerai de discours, je situerai les responsabilités. Pour l'instant, situer les responsabilités ne relève pas de mes préoccupations, mais je le ferai si demain, dans les deux cas d'ailleurs, hein, si le président de la République nous permet de sortir de cette situation, à ce moment-là, je parlerai des responsabilités de ceux qui nous ont conduits dans cette situation, anticiper à l'avenir, voir comment faire pour que cette crise ne se répète plus. De la même manière que si on s'entêtait pour aller droit dans le mur, on aura l'obligation à ce moment-là aussi de faire le bilan, de situer les responsabilités et pourquoi pas voir comment faire pour sortir de cette situation. Dans les deux cas, je resterai cohérent. Les opposants n'ont-ils pas péché, demanda-t-il entre autres. Oui, pour moi, je le dirai en temps utile. Pour l'instant, peu importe de savoir, sauf si quelqu'un nous demande de le dire impérativement avant de sortir de là. Bon, mais je ne pense pas que ce soit utile. Quand vous avez une crise aussi majeure, vous n'avez pas besoin de chicaner, de dire « tel a eu raison ». Est-ce que vous entendrez les opposants là, maintenant, vous en ferez venir un, ils vont vous faire la liste de tous les points sur lesquels le régime a péché, de tous les points. Et vous êtes dans le pays, vous entendez comme moi. Et donc ça ne sert absolument à rien d'aller à une émission et dire « voilà, l'opposition a péché » ou alors « voilà ». Donc ça fait un dialogue de sourds. Je ne vais pas adhérer à ça pour l'instant. Mais en temps utile, avec le recul de l'histoire, on situera les responsabilités dans l'espoir que ça ne se reproduise pas. Ça rejoint un premier point évoqué par l'auditeur Gantore Kanye qui demandait s'il y avait un vrai opposant au Bénin. Et un second point, il demandait « bon ». Descendre dans la rue, les opposants, certains leaders de l'opposition appellent à descendre dans la rue, si c'est une bonne chose. Oui, de toute façon, moi je n'ai jamais eu peur de ce que les gens descendent dans la rue. Je considère que c'est en dehors des élections qui sont fixées à date régulière, c'est l'autre voie d'expression démocratique d'un peuple. Expression démocratique. Le peuple ne reste pas les bras croisés. Même si le code pénal, dans certaines de ses dispositions, interdit des attroupements, vous avez vu ce qui s'est passé récemment. Oui. À Paracourt, des gens ont voulu se rendre sur la tombe de Hubert, dans la maison de Hubert Koudoukoumaga. Ben, ils ont été dispersés, les militants FCBE. Oui, je pense. Est-ce que c'est pour autant qu'il ne faille pas dénoncer certaines lois? J'ai parlé des lois sur l'embauche. J'aurais pu parler de ça aussi. Je trouve que dans un système démocratique, on ne peut pas empêcher les attroupements. Ce qu'on attend dans un système démocratique, c'est que les forces de l'ordre encadrent les mouvements, empêchent les débordements. Mais on n'empêche pas l'acte de marcher. On n'empêche pas l'acte de s'exprimer. On l'encadre. Et là, si ça fait partie des lois qu'on peut... Je voulais utiliser l'expression d'un ancien syndicaliste, qu'on peut violemment dénoncer. Parce que ce n'est pas démocratique. Il y a un certain nombre de lois. Et vous savez, vous me donnez peut-être l'occasion, là encore, de dire une fois ce qui... me fait penser que le président de la République se trompe parfois de bonne foi. Vous savez, en quelques secondes, parce que là, nous sommes déjà moins de 2 minutes de la fin. Oh, c'est dommage. Je voulais dire, vous savez, la dernière fois, le président de la République était en Allemagne, au G20, à la réunion du G20. Et il a fait, si vous voulez, L'apologie. L'apologie, est-ce que c'est vraiment l'apologie? Mais en fait, il a dit beaucoup de bien de ses lois. Et là, face à la réaction du monde, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème. Mais moi, c'est à ce moment-là que je découvrais le fond de sa pensée. Le président de la République était convaincu qu'en rendant le travail précaire, en faisant que les gens ne puissent passer toute leur vie avec des CDD, contrats à durée déterminée, qu'ensuite, dans les conditions de licenciement, on ne puisse pas payer plus de 9 mois. Une bonne destination. Voilà, pour les investisseurs étrangers. Il était convaincu de ça. Donc c'est vraiment une preuve matérielle qui s'était trompé de bonne foi. Il va là-bas, justement, face à ceux dont il espérait les investissements, les gars lui disent, mais non, il y a un problème. Voilà. Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça qui font que il faut plutôt exprimer. Celui qui parlait de vrais opposants, bon, je pense que c'est des discussions de seconde zone. On ne dit pas qu'il y a un vrai opposant, on ne dit pas qu'il y a un vrai président. Nous allons conclure cette émission. Que, voilà, on analyse. Souhaitons que nous sortions renforcés de cette crise. Parce que vous savez, on dit toujours, une société n'avance que par crise surmontée. C'est lorsque vous surmontez les crises
que vous faites une avancée qualitative. Mais lorsque vous n'arrivez pas à surmonter les crises, alors vous tombez, vous régressez. Et on n'a juste pas besoin que notre société régresse. Merci à vous, Président Victor Tocqueban, d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Nous avons fait le tour d'horizon de cette actualité qui est au Bénin, hein, la législative à venir lancée, qui ont abordé le tournant de la campagne électorale depuis le 12 dernier. Deux partis d'un même bord, l'Union progressiste et le Bloc républicain, y vont. Vous souhaitez, comme beaucoup de Béninois, que ces élections soient inclusives. Le président de la République, pour vous, reste la dernière solution. Il peut toujours, puisqu'il est en position de force, recourir à des prérogatives, notamment celles de l'article 68 de notre Constitution, pour qu'on sorte de là. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Merci à Mohamed Diamini qui a assuré la mise en onde, mesdames, messieurs, Saturnin Gassou. C'est un plaisir pour moi d'avoir été chez vous encore ce dimanche. Je vous souhaite un bon dimanche, que vous nous ayez suivis par Soleil FM ou par CK TV. Merci de nous avoir suivis.